Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Robinson Pifo a fait une sortie hier que je condamne avec ma dernière énergie. Ce n'est pas un clash déjà. Je vous avais dit, je ne suis plus dans les histoires des clashs. Alors, je fais cette vidéo parce que je n'arrive pas à comprendre la vie réelle et la vie des réseaux sociaux. Robinson Pifo, depuis un certain temps, fait des sorties qui m'inquiètent. En notre langue, on dit souvent que ceux qui vont comprendre ma langue, je ne vais pas traduire. Alors, je ne suis pas en train de tirer sur Pifo ou bien de le soutenir. Pifo n'est pas celui qu'on voit sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai discuté plusieurs fois avec Robinson Pifo concernant même certains sujets d'actualité. Robinson Pifo est comme Malox. Je ne sais pas pourquoi, quand ces gars-là allument leur caméra, ils deviennent une autre personne. Malox est pareil. Malox que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas le même Malox dans la vie réelle. C'est-à-dire que Malox est une personne très sociale, très simple. Mais qu'il allume sa caméra, il devient une autre personne sur Facebook. La même chose comme Pifo là. C'est-à-dire que quand Pifo allume sa caméra, j'ai vu, il a même fait un post sur Baron de Suisse. On connaît tout ce que la Baron avait fait pour lui quand il était en prison. Il a fait un post, il a même fait un autre post sur Valsero. Je suis resté, j'ai dit que merde. Les réseaux sociaux, je ne sais même pas. Hein. Mais ce n'est pas ça qui m'a beaucoup touché. Ce qui m'a touché, c'est la situation de Mamiton. Actuellement où nous sommes tous en prière, notre rêve, chaque matin ou bien chaque instant, on veut qu'on nous annonce une nouvelle du genre. Soit elle est sortie du coma, soit elle parle. Pendant que tout le monde est concentré dans les prières pour qu'on nous annonce une bonne nouvelle pour Mamiton, puis il faut bien plutôt nous dire comment Mamiton est montée. Ce n'est pas le moment, honnêtement. Même si Mamiton, nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous sommes d'abord nés pécheurs. Nous tous, on a des défauts. Nous tous, on a fait des erreurs. Je ne suis pas en train de dire que Mamiton est parfaite. Non. Mais ce n'est pas le moment de dire tout ce que Mamiton a fait de mauvais. Même s'il a fait, elle a fait n'importe quoi. Je pense que soit tu attends, si peut-être on annonce le pire, qu'on ne souhaite, que personne de nous ne souhaite avant de faire cette sortie, soit tu attends qu'on nous annonce la bonne nouvelle que tous nous sommes en train de souhaiter. Que oui, elle s'est rétablie, elle parlait déjà, elle est sortie de l'hôpital et tu fais ta sortie. Honnêtement, venez dire tout ce qu'elle avait fait contre toi. C'est vrai, tu es sincère, c'est vrai. Tu dois parler, tu dois te libérer. Mais ce n'était pas le moment, frère. Ce n'était pas le moment. Pourtant, je te connais comme quelqu'un. Je suis loin de tout ce que les réseaux sociaux racontent de Pifo. Hein. Moi, je vous dis toujours, méfiez-vous des réseaux sociaux. La réalité, c'est autre chose. Pifo n'est pas un ami du genre que je dis, que pote, camarade de classe, ami, qu'on traite des business, mais c'est un Camerounais, c'est un frère qu'on a l'habitude de discuter. Et je connais quand tu discutes avec quelqu'un qui n'est pas méchant. Pifo n'est pas méchant, selon mes analyses personnelles. Mais quand il prend sa caméra, il devient méchant, il devient une autre personne. Mais naturellement, Pifo n'est pas comme ça dans sa vie. Et encore une autre personne, Mani Bella, que je ne comprends pas comment. Vous pensez, la sorcellerie n'est pas seulement le fait de boire le sang ou bien de sacrifier les gens. La sorcellerie se manifeste de plusieurs formes, sous plusieurs formes. N'est-ce pas? Mais maintenant, elle demande les comptes sur quelle base? On a vu ici sur la toile, en 20 minutes, comment Facebook a vibré quand on a annoncé le décès de Mamiton. Tout, même celui qui a deux abonnés. Et là, même celui qui n'a même pas de page, qui a seulement les comptes, tous ont posté la photo de Mamiton. Mais dès qu'on a annoncé que c'était un fake news, tous ont supprimé et personne n'a partagé la vidéo de la cagnotte de l'aide. Personne. C'est-à-dire que, hey, je ne sais même pas comment on appelle ça. J'ai vu ça comme un film. Donc, tout pour vous, vous souhaitez seulement le malheur. Ou quoi? Quel est l'intérêt de Mani Bella à demander les comptes sur l'argent que Aïcha, sur la cagnotte de Aïcha?
C'est quoi? Et après, vous allez vous plaindre de Rachel qui a fait une erreur et que tout le monde tire sur elle actuellement. Elle bouffe ce qu'on appelle vraiment la tontine. Oui, mais Emmanuel Bella, vous pensez que ce que Magny Bella a fait là est différent de ce que Rachel a fait? C'est pas juste, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu demandes les comptes pour faire quoi avec? Tu as contribué combien? Même si tu as contribué 1 million, est-ce que c'est le moment de demander les comptes? Et si c'est même toi qui dois demander les comptes? Vous allez dire que les autres cherchent les likes. Quand tu fais le post là, ce n'est pas aussi pour attirer l'attention sur toi. Ou bien c'est pour jeter Aïcha à la vindicte populaire, ou bien c'est pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. C'est quoi l'objectif? De toutes les façons, faisais ma vidéo juste pour, surtout pour, juste pour la sortie de Pifo. Frère, pardon, apprenez un peu à vous calmer quand quelqu'un est dans la situation. Oui, parce que ce n'est pas parce que la famille l'attend là maintenant. Je sais que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Par contre, il y a d'autres personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, vous parler de l'amour, parler de ceci, chanter, machin, tout ça. On les écrit, ne répondent même jamais. Ils n'ont même pas le temps de quelqu'un. Mais sur Facebook, ils montrent tellement comment ils sont sociaux. Ils parlent de ceci, ils sont vraiment machin, ils sont ouverts, ils aiment les jeunes, ils aiment... Méfiez-vous. Les réseaux sociaux et la vie réelle, c'est deux choses. C'était Original Fanpo. Ciao. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.